c'est Frizman. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les amis, on va faire une petite survie et on va prendre du bois pour faire une maison. Les amis, objectif 100 abonnés, merci énormément pour les 80 abonnés. Go les 100 abonnés, tout ce qu'on a à faire c'est de partager la vidéo et de liker bien évidemment. Je vous invite à la regarder juste à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Sur ce, commençons cette survie. Alors les amis, on va prendre du bois et je vous dis c'est parti pour la survie. Alors, bon, je vais chercher du bon bois frais. Ce bois n'est pas, je ne trouve pas très joli. J'ai entendu dire que dans cette forêt spéciale, il y avait du bois. Il y avait du bois doré. Je sais pas où est-ce que je vais trouver ce fameux bois doré. Mais en tout cas, j'espère le trouver. Car ça fait hyper longtemps que je le cherche. Bon. Alors, voyons voir. Ce bois, il doit être quelque part. Bon, alors, voyons voir. Ah, j'ai oublié de baisser le son. Là, c'est déjà mieux. Bon, alors, c'est parti. Voyons voir où est-ce qu'il est passé. Il y a forcément... Wesh. C'est quoi cette lumière? On va se diriger direct. On part direct. C'est peut-être un rayon laser qui mène vers un coffre trésor. Ah ouais, ça pourrait grave m'accélérer ma survie. Bon, alors, voyons voir. En même temps, on va rester très vigilant. Peut-être qu'il y a des vigiles ou des gardes près de la forêt. On va prendre un petit peu de bois. Et on va rapidement aller vérifier avant que quelqu'un ne vienne. Et voilà. Hop. Alors, on prend une épée juste au cas où. Nous prenons également une pelle. Ou bien une pioche. Ouais, une pioche, ça va être mieux. Ah non, c'est une pelle. Ah, zut. Mais attendez, hop. Ce bloc d'herbe me semble très suspect. On va essayer, hop. Et voir ce qu'il y a là. Wesh, il y a carrément une entrée. Ah ouais. Ça doit être un bunker. Ah ouais, un bunker. Et voilà. Miam, miam. Oula, on va faire très attention. Combinaison. Ok. Hop. On va tester également celle-là. Hop. Alors, on va voir. Hop. Non, ça marche pas ce truc. Bon. On va essayer de trouver d'autres combinaisons. Alors, hop, hop, et hop, voilà. Mais, what? Allez, allez, hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Hop. Oula, il y a énormément de combinaisons, 4 chiffres. Il y a minimum 1000. Ah oui, ça y est, j'ai réussi. Cool. Ah non, 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 aïe. Non, non. C'est mort. Correct. Oh, oh non, non. Oula. Alors, un autre mot de passe. Non, 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 non. Oula, et voilà. Bon, on va récupérer des cœurs. Alors, passe ou code. Un code. 4. 4, 2, 6, 8. 1, 2, 3, 4. 2. 6, 8. 4, 2, 6, 8. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ah, ça. Ah ouais. 4. 4, 2, 6, 8. Ah, cool. Oula. Mais je me demande comment vais-je faire pour entrer.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. On va essayer d'éteindre le feu. Hop, hop, hop. 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 Et hop. Voilà. Maintenant, nous allons nous dépêcher d'aller voir s'il n'y a pas autre chose. Combinaison. All wall should be green. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que ça doit être de la laine bleue, vert. Ok. Désolée, mais je veux du vert, moi. Alors, on va y voir. Non. 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 Je vais faire une petite coupure, les amis. Non, 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 non. Ouf. Et voilà. Hop. Allez. Plus qu'une seule couleur. Mais allez, vite, donnez-moi le vert. Ah, cool. Oula, on a eu chaud. Bon, iron block. Gold block. Ah, il faut placer les blocs correspondants. On va débarrasser en même temps un petit peu de notre inventaire. Bon, alors, gold. Voilà. Les amis, si ce concept de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai d'autres probablement. Ah oui, c'est vrai. Hop. Ah, un pont. Ah ouais, le passage, il est très sécurisé. Je me demande c'est qui est le riche qui a ça. Qui a ce magnifique bunker. Ah, les combinaisons avec les torches. Down, vers le bas, ok. Hop, 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 et voilà. Hop, 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 voilà. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, cool. Bon, allez. Et... stouf. Ok. Oula, on va faire très attention. Observe the repetiteur. Ok. Ils doivent être allumés. Je sais pas. Allez, on descend. Pourquoi est-ce que... Oh non! C'était... Il faut les allumer! Il faut aller les allumer! Mais comment ça marche? Je vais me noyer. Ah oui, ça y est, je vois. Ah! Oula! Oula, je me suis noyée. Comme un noob. Allez, hop, on va y retourner et cette fois-ci, on va gagner. On va réussir à rentrer dans la salle des coffres. Allez. Une, deux. Allez, go, soldat. Bon, il faut juste que je redescende rapidement pour voir ce qu'il y a eu. Alors, c'était comment? Deux, ok. On remonte et ouf. Et hop. Voilà. Alors là, j'ai rien compris. Je connais une deuxième méthode. Ça s'appelle tout casser. Je vais activer les maximums de mes pouvoirs et on va détruire cette porte. Les amis, nous voilà à l'intérieur de la pièce secrète. Ici, nous avons une enclume. Combinaison. The wall is Gabe the crafter. Ok, on va prendre tout ça. On va poser cela. Nous, on doit faire quoi?
Ok. Je sais pas ce qu'on doit faire avec ça. Ah, ok, je vois. On doit prendre de l'expérience. Ah, c'est... Bon, on va le balancer comme ça. Ensuite, on va les tout récolter. Hop, et voilà. Bof, on va prendre tout plein de choses. Et voilà. Combinaison. Attendez, la combinaison, c'était pas Gab the Crafter? Ah, mais oui, c'est vrai. Gab the Crafter. Crafter. Et voilà. Bon, maintenant les amis, on va retenter, on va faire le tout pour le tout. Et ok, ne dites pas qu'il faut à chaque fois taper. La combinaison était Gab the Crafter. Mais à quoi ça va me servir? À quoi ça va me servir? Vous savez quoi? Moi, je vais carrément prendre un briquet en silex. Attendez. Les amis, nous avons pris un silex, un briquet en silex. Et à la 1, à la 2 et à la 3. Les amis, vous savez ce que j'ai entendu dans les infos Minecraft? J'ai entendu dire qu'il y avait le roi des Siren Head. Et que le roi était vraiment très malade. Et qu'à tout moment, il pouvait être attaqué. Ok, alors je me demandais les amis si ça vous dirait que dans une prochaine vidéo, nous devenons le roi des Siren Head. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a par ici? On va juste un petit peu explorer, on va voir s'il y a quelque chose. Une minute, à moins que ce soit qu'une impasse. Aïe, je me suis fait mal. Ah, ça fait mal, je brûle. Tiens, c'est quoi ce truc? Non, c'est rien. Oula. Les amis, je crois que... On s'est fait avoir. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, comme je viens de le dire. Si c'était le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications et de partager la vidéo un maximum. On fonce tous ensemble aux 100 abonnés. Allez, go les 100 abonnés. Objectif 100 abonnés. C'était Prisman. Bye, peace et à la prochaine. À une prochaine vidéo. Ciao. Oula, oula.